Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en vadrouille dans le Loiret, environ 150 km de Paris, chez mon ami Marco. Salut Marco, salut, comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi? Bah ça va super. Alors figurez-vous que Marco est un super ami, on s'appelle très souvent, on se voit assez souvent, mais je n'étais jamais venu chez toi. Jamais, c'est vrai. Mais oui, c'est la vrai. Première fois et je suis excité. Car il paraît que tu as une collection Michael Jackson, c'est vrai? Un petit peu, ouais. Avec une pièce spéciale. Alors là, ici, on est où? On est comme dans une cave, un peu dans un souterrain. Exactement. Carrément, on est à quelques mètres sous terre, c'est incroyable. Et derrière cette porte, une collection de dingue. Je n'ai rien vu comme vous, là, je découvre. En même temps, je suis hyper excité. Alors allons-y, vas-y, ouvre on cette y porte. Va, alors, on allons-y. Y va, on y va. On rentre dans la pièce. Allez, venez. Oh là là, mais. Oh là là. Oh là là, mais il y en a partout. Il y en a un peu partout, ouais. Voilà, mais qu'est-ce que dit ton docteur? Il m'a dit que ça allait. J'avais pas assez de place, donc il faut pousser les murs. Donc c'est un projet là, aussi. Là, c'est blindé là. Alors là, je fais un petit tour comme ça, là, vite fait. Oh là là, mais c'est vraiment incroyable. Alors vas-y, par où tu veux qu'on commence? Qu'est-ce qu'on regarde en premier là, dans ta collection? Alors on peut commencer par mes. Je change de temps en temps un peu, hein, quelques 45 tours et quelques vinyles. Waouh, superbe. Le belge est superbe. Ah ouais, promo Espagne, superbe aussi. Ah là, celui-ci là, il est très beau aussi là, celui-ci là. Avec le petit mot là. Ouais. Ça c'est assez compliqué à trouver. Avec le idem, ouais. Superbe, Costa Rica. Le fameux Speed Demon. Waouh! Et là, je vois un truc de fou là qui m'énerve. Là, ça y est. On peut voir les vinyles un peu d'un peu plus près là où c'est. On a le droit? Bien sûr. On a le droit de les toucher? Bien sûr. Montre-nous un peu le promo là. Alors, le petit promo Thriller que j'ai posté il n'y a pas longtemps en plus. Waouh! Avec le Super Challenge de Bilal. Waouh! Alors, ça, c'est incroyable. Ça, c'est un des vinyles que je recherche. Enfin, avec tous les autres aussi qui sont au mur. Là, c'est vraiment. Voilà. Waouh! Fameux promo japonais avec un autre artiste en face B, hein, c'est exactement. Ça exactement. Alors ça c'est superbe. Ça c'est vraiment le genre de truc méga rare. Et puis alors cette superbe photo là, franchement. Pas là, évident à trouver, oui. C'est vraiment impressionnant. Clair. Et donc dans la même série, on a le fameux promo aussi Billie Jean. De toute façon, tu as toute la série. Hop, hein. Ouais, les trois. Tu as toute la série des vinyles qui me manquent. Donc pareil, hein, double... Ouais. Men at Work, superbe. Super, alors, Men at Work, face A, Thriller, face B. Très beau, avec le fameux signe là qui exactement, veut dire promo, comme d'habitude. Aussi le PYT. Le PYT. Voilà, plus sobre, la pochette vachement plus sobre. Mais ah, puis j'adore ce petit rond là. C'est sympa. Hein. Avec la date de sortie. Men at Work face A et PYT face B. Waouh, incroyable. Et pour finir, alors mais attends, là c'est un truc de fou. Tu sais que là je suis déjà énervé. Avec trois vinyles plus un, tu as aussi celui-là, le fameux. J'ai mis du temps à le trouver. Ouais, bah j'imagine. Costa Rica. Non, Costa Rica. En bon état quand même, il est un tout petit peu abîmé, mais vraiment, franchement, pour le Costa Rica, c'est super. Il faut voir un peu cette belle pochette. Donc là, c'est carrément un maxi 12 avec plusieurs titres. Leave Me Alone, Todo Mi Amor, Restu et I Just Can't Stop Loving You. Voilà, avec le fameux Disco Mix. Comme d'habitude, pour le Costa Rica, souvent, il y a cette mention. D'ailleurs, il y a toujours cette mention. Waouh, voilà, un peu superbe. Avec le tampon promo. Waouh. Bon, il a vécu celui-là. Ouais, mais alors ça, oh là là, puis le petit logo derrière là, c'est superbe. Non mais celui-là, il est encore plus rare que les japonais, je crois. Enfin, c'est vraiment. Et pourtant, les japonais sont très rares, donc ils sont. C'est dans la même lignée, hein. C'est dans la même lignée. Ouais, dans la même lignée, je pense. Je pense que c'est dans la même lignée. Ça, c'est vraiment très très fort. Alors là, tu m'as tué là. En 4 vinyles déjà. Bon, plus après tous les petits. Bon, après, voilà, on va celui-là, pas... sympa. Ouais, et... ça c'est sympa. Ça, il y a la version CD aussi. Ouais, j'ai aussi. Et, ouais. Et peu de gens l'ont en vinyle. Et là, la joie de la victoire. Waouh. Pareil, super. Tu vois, avec le disque fameux, officiel des Jackson. Fameux promo canadien. Waouh, ça c'est superbe. Alors là, quand on a ça, on peut être heureux. Hein. Ah parce oui, que carrément. Là, carrément. Le combo là, parfait. Waouh. Et attends, moi je regarde juste celui-ci aussi là, si je l'attraper sans faire tomber. Voilà. Juste qu'on revoit de plus près le petit mot là. Ça c'est vraiment superbe. Donc il y a le 45 tours, disque interdit à la vente. Et à l'époque. Il y avait la petite invitation pour aller au Midem. Par CBS. Ouais, par CBS. Superbe. Méfiez-vous des poissons d'avril. Bon Midem à bientôt, Michael Jackson. Ouais, incroyable. Ça, c'est bon, ça. Ouais, je l'ai écouté. Il y a une voix un peu avec des pas et tout exact, dans la rue. Ouais. C'est vraiment très, très cool. Eh ben, superbe. Attends, on ne sait plus où regarder là. Attends, franchement, mais tout est compressé partout là. Attends. Alors, l'inconvénient. Qu'est-ce qu'on a? L'inconvénient, voilà, c'est que en termes de place, j'ai dû essayer d'optimiser et de cloisonner certains trucs. Et parfois, bah, y a des thèmes qui sont un peu mélangés. Donc, Ah ouais, non, mais bon. attends. Mais quand j'arriverai à agrandir ma pièce, donc la première pièce où vous êtes rentré,
C'est un projet d'agrandissement. Et pour le coup, là, j'aurai des vitrines. Et je pense que je pourrais ranger correctement par thème. Ouais. Et là, tu pourras encore acheter encore plus de trucs. Ça va être un truc de dingue. Ta femme va être contente, je crois. Oui. Mais attends, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est que ce pass? Alors, ça, c'est le pass qu'il y avait pour la fameuse soirée One Night Only. Ouais, la soirée concert HBO. Annulé. Annulé, malheureusement. Ouais. Wow, ça, c'est super. Alors après, qu'est-ce donc qu'on a? Donc là, bah, dernier. En bon état, en plus. Ah oui, en bon état. Ouais. Oui, j'ai vu que certains avaient reçu un petit peu abîmé, mais quand on voit le poids du machin, c'est clair que voilà, si la poste ne fait pas attention. Ouais, c'est clair. Ce qui nous permet d'avoir pas mal de référencement de pièces autour de Thriller. C'est bon, t'as trouvé des trucs que t'avais pas quand même? Ah bah, ouais. Un bon paquet quand même, un bon paquet. Et ça, c'est l'édition exclusive Kinvention qu'on m'a rapporté de Londres, dédicacée en plus. Donc, Ouais. Ouais, t'es dans les petits papiers, toi. Ça. Exact. Moi, je te filerai le filon. Et... Ouais, là, il y a de quoi faire. Je vous conseille d'acheter ce bouquin. En termes de cassette, il y a de quoi faire. Ouais. Voilà, je sais que juste pour Thriller, il y a au moins une centaine de cassettes, je crois bien, qu'on a mis. Ah, les cassettes vidéo aussi. Hein. Là, j'en ai quelques-unes. J'ai vu qu'il y avait un bon stock. On va regarder ça. Alors, attends, par où on regarde là maintenant? Parce que là, alors là, c'est un peu le bordel. Il y en a partout. Alors là, là ça continue. Ouais. Les quelques petits. J'ai le smile. Le fameux. Celui-là, c'est le double. Waouh, je connais pas celui-là. Eh ben, donc, tu vois, je connais pas celui-là. Je peux pas le sortir parce qu'en fait, la pochette, elle est un peu juste. Donc, je vais mis souvenir two record set and bonus posters. Ouais. Cool. Donc c'est le double Thriller et Off the Wall. J'avais jamais vu cette version. Le fameux promo, alors japonais. Ça c'est super, j'adore. Le seul vrai promo en maxi 12 japonais avec Another Part of Me. Le fameux body aussi, voilà. Superbe. Celui-là, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. J'ai vu. Très compliqué à trouver aussi. Et là, dans la série aussi promo brésilien, voilà, le méga remix. Il est en bon état, hein. Franchement, super. Celui-là, le mien n'est pas en très bon état. Le medley. The medleys. Et il me manque l'autre. Ah, The Love Songs. Ouais. Et tu crois que c'est le plus rare, je crois. C'est le plus rare et le plus cher, en fait. Et il faut tomber sur la bonne occasion, mais c'est pas toujours évident. Et j'ai ma petite série aussi complète. Ah oui, hein. Ah oui, t'as tous les bouquins. Ouais. Super, plus les deux, il m'en manque un, juste. Ah oui, les pièces aussi. Ah oui, t'as carrément le petit flyer, toi. Alors, oui. Les pièces, la superbe. Alors attends, je vais te montrer. Tac, tac, tac. Du Bad Tour. Et tu as le flyer. Ça, je n'ai pas non plus ce petit flyer là, explicatif. Il nous montre tout ce qu'il existe. Il y a les 4 pièces. Et puis aussi les médailles, les fameuses médailles. Exact. Je connais 2-3 personnes qui les ont, c'est vraiment impossible à trouver. Enfin bon, déjà avoir le flyer, on va dire que c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est bien. Plus la petite pièce. Bah, une des pièces, ouais. Ouais, ça fait un super ensemble. Bon alors, attends, on avance vers où? Attends, on regarde de ce côté. Alors, on va commencer par là, voilà, les petites figurines. Vas-y. Donc j'ai vu que tu avais réussi à avoir tous les porte-clés de tous les personnages. Ouais. Donc moi, j'en ai qu'un pour le moment. Ouais, mais déjà c'est bien parce que c'est très compliqué à trouver en Europe. Pour la petite histoire, donc il y a 4 figurines en PVC pour les États-Unis et ils ont sorti les mêmes mais version porte-clés pour le Japon. Et voilà, et forcément les porte-clés du Japon sont très compliqués à trouver. Ah, donc là je vois des belles cassettes, là la belle cassette mexicaine dans le fond, Another Part of Me. Bah, je sais même plus quoi dire, c'est tellement, il y en a partout. Ouais. Je redécouvre certains objets que je connais forcément, mais ils sont disposés d'une certaine sorte. Donc là pour le coup, pareil, quelques cassettes vidéo. Quelques cassettes audio déjà, incroyable. Non, mais c'est dingue cette collection de cassettes là. Non? T'es donc, content? Il y a du Thriller, ouais. Alors t'es content quand même. En fait, lors de mon déménagement, en fait, il y a un carton que j'ai pas retrouvé, donc il me manque toutes les cassettes Jackson 5 et Jackson, ce que je n'ai pas retrouvé. Ah mince. Et une partie de cassettes Bad que j'avais aussi. Ah, et bon, je sais pas où est-ce que c'est. Voilà, toutes ces cassettes, la cassette coréenne. Donc là, c'est toutes les parties de cassettes japonaises. Ah ouais. United Planet, là, ouais, là change le monde. En français, là. Plein de belles cassettes dans le fond. Et là, j'ai une belle petite cassette promo. Non, mais attends, c'est... Waouh. Ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est méga rare, ce truc-là. Ouais. Et dessus, on a... Ah oui, on a tout l'album. Ouais. D'accord. C'était envoyé aux radios japonaises. Superbe. Oh, ça, c'est superbe. C'est même pas dans le bouquin, ça. Ça, c'est inconnu, quoi. Enfin, pour ma part, je connaissais pas. Ensuite, après, en dessous, qu'est-ce qu'on a ? Quelques coffrets CD. Quelques petits coffrets sympas. Ouais, celui-là est assez compliqué, enfin il est très compliqué à trouver. Alors pour la petite histoire, celui-là je l'avais commandé sur un site japonais et en fait je me suis tapé des frais de douane. Alors habituellement, bon bah je renvoie toujours, mais là je savais qu'il était tellement rare
que ça m'a coûté plus cher en frais de douane que le prix même du coffret lui-même à l'époque. Maintenant, c'est hors de prix. Moi, je l'avais acheté aussi sans savoir qu'il allait devenir rare. Ouais. Et oui, c'est des prix, c'est 300 ou même 400, je suis gentil. Beaucoup plus maintenant, beaucoup plus maintenant. Super, super. On continue, alors qu'est-ce qu'il nous a ? Là, c'est une petite série de DVD non officielle que j'avais acheté il y a quelques années. C'était le seul moyen, d'avoir certains concerts parce que c'était pas assez fourni sur YouTube à l'époque. Là, j'ai quelques CD 3 pouces japonais. Ah ouais, super. Tac. Tu les as tous quasiment là, tu crois ou... Non, il m'en manque beaucoup. Ah ouais. Ouais. Parce qu'on se dit, on en a plein, mais comme à chaque fois, Men in the Mirror, par exemple, il y avait les deux différents là. Ouais. Mais j'essaie de trouver des versions promo aussi. Ah ouais, mais c'est encore plus dur. Et alors pour le Japon, il y a deux versions. Il y a la version rental et la version vraiment promo. Ah ouais. J'ai découvert ça récemment. Ouais. Ah ouais. Parce que j'avais vu que des versions rental et en fait, il y a aussi des versions promo comme pour Dangerous, tu vois. D'accord. Ouais. Donc là, cette partie-là, tout ça, à part celui-là, c'est ce que j'avais acheté à l'époque. Ah ouais. Surtout, ça, c'est surtout récent. Le Y 3T là, avec le petit sticker import. Celui-là. Je l'avais acheté à l'époque au Virgin, je crois, sur les champs. Ah ouais, c'est super. Là, franchement, avec ce petit sticker en plus, là. Ouais. Moi, je connais pas ce sticker. Hein. Franchement, incroyable. Bah là, c'est très beau. Celui-là, il est vraiment très, très compliqué à trouver. Hop. Après, j'en ai encore d'autres en petit format. Ah voilà, hop. En plié, comme ça, ouais. Donc là, c'est tous les Européens. Celui qui était distribué. Ouais, au McDo, là, c'était... Tac. Les Mixmasters. Fat. Ah ouais, ça, c'est sympa, ça. La reprise de Jan Elvarkovic. Ça, on le voit pas souvent. C'est rigolo. Tac, petite compile, tac, solide. Ouais, bah attends, t'as tout, t'as quasiment toute la collette là. Et après, attends, fini, j'en ai scellé. Ah oui, encore dans les. Ouais. Petits... One more chance. Ah ouais, ça c'est pas mal ça, dans le truc plastique comme ça. Ouais. Ah, nouveauté quoi. Attends, super. Alors là, c'est la section plutôt DVD. Et badge en fait. Ouais, alors badge, moi je vois celui-ci là, c'est ce badge là. Ouais, black and white. C'est pas récent ça? C'est récent ou c'est pas récent? C'était Christophe Boulmier qui me l'avait offert, je crois. Ah oui, ouais. Celui-là est superbe. Ça date, je sais pas. Parce que je sais que vu qu'il y a une certaine hype en ce moment avec tous les badges et les pins black and white du magazine, ouais. Et parfois je me pose des questions, je sais jamais lesquels sont d'époque et ceux qui sont moins. Plus récents. Celui-là, ça fait un moment que je l'ai. Hein. Donc les badges Captain Neo, superbe. Surtout le gros, là, japonais, là, le bleu ciel. Ouais. Ça c'est super. Et là on arrive à des badges aussi d'époque Jackson 5. Alors ouais, ça c'est une série. Il y a le porte-clés, le badge, le sticker. Et en fait, bon, celui-là, c'est le même que celui-ci, mais c'est pas la même couleur. Alors je les ai remis dans d'autres plastiques parce que le plastique il est vraiment. Ça c'est vraiment les packagings d'origine. D'origine, ouais, et qui s'abîment très vite. C'est super ça. Et ça c'est quoi? Qui fait ça? C'est Anabas. Anabas, ouais. Anglais. Ah ouais. Okay. Ça, très compliqué à trouver. Hein. Après, bon bah voilà, vous avez toute la série DVD. Il y a du japonais, il y a du Blu-ray, il y a un peu de tout. Après en dessous, après, un petit mètre de univers. Oh là, ça c'est rare ça. Attends. C'est les voitures de Skeletor. Musclor et Skeletor. Donc je vois un peu. C'est un autre délire, mais voilà. Ouais, c'est un délire ça. Ouais, sympa, sympa. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est d'époque aussi ça. Hot Wheels. Ouais. Ouais, c'est marrant. Tu vois, on a un peu de tout là, c'est sympa. Un petit pop qui traîne, voilà. Fameuse cassette. Donc ça part du Jackson 5, The Wiz, Attends, excuse-moi, je me permets de l'attraper cette cassette. Ça c'est une superbe cassette, ça c'est le concert en Angleterre. À Londres, édition japonaise, ouais. C'est sorti qu'au Japon. En cassette vidéo, ça c'est hyper compliqué à trouver. Ouais. Ça c'est vraiment super. Alors en plus le packaging... Il est assez chiant. Ne l'ouvre pas, il ne faut pas ouvrir. C'est très dangereux. Là j'avais une petite cassette promo qui était offerte avec le journal El Tiempo. Mmh, donc on voit Michael Perrier Bad et forcément la chanson, le clip, c'est Ben. Ah oui, bah oui, c'est vrai. On voit le lien direct avec le Bad Tour. Ouais, c'est vrai que tu collectionnes Ben à fond. Un petit peu, ouais. La petite montre qui va voilà. Le badge d'époque, Get It Together, 1973. Ah, celui-là est aussi compliqué à trouver. Ouais. De toute façon, c'est vrai que j'essaie de retrouver moi aussi du merchandising d'avant, quoi, des Jacksons et tout. Et Jackson 5, c'est hyper compliqué à trouver. Ouais. Déjà, à savoir que ça existe. Et puis après, il faut savoir si c'est vraiment d'époque ou pas, comme tu disais. Ouais, si ça a été refait. Ouais. En haut, on a quelques pop, donc encore les maîtres de l'univers. Ah ouais. Ah oui, t'es fan un peu. Super. Zoudou de Bartman. Ça, c'est cool.
Donc après, c'est que des pop. Alors à part Prince, bon, et Tupac forcément, mais c'est des pop qui ont des liens directs avec Michael Jordan, Verdel Iconic, Slash et Bartman. Ah, c'est cool. Voilà. Attends, je repasse devant ces cassettes là. Attends, c'est celle-là, là. Celle-là, je connais pas non plus. Alors c'est une compile, Bullette. Ah ouais. Compile. Superbe, superbe, superbe. Oh là, je vais faire des bêtises. Ouais. Incroyable, vraiment. Ah, et puis la fameuse cassette. Attends, attends. Farewell, My Summer Love. Ouais. Celle-là, elle est très compliquée à trouver aussi. Alors, après, on finit donc dans ce petit box. Voilà, il y a du Dangerous, il y a du History, il y a un petit programme là. J'adore ce genre de petits trucs. Toi, ah, je sais que t'en as pas mal. Itinerary Book. Ouais, ça, j'adore. Franchement, voilà, avec. Ah oui, donc ça, c'est pour la première partie. Prague, Budapest, Moscou. Première partie du Donc après, il y a tous les contacts, le crew. Ouais, ça, c'est vraiment superbe. Ça, c'est vraiment un truc sympa, tu vois. Moi, j'adore ce genre de petits trucs, tu vois. Un petit comme ça, non, c'est vraiment parce que moi, j'en ai un en Australie, je crois. Un tout petit comme ça. D'accord. Il y a plusieurs formats, là, pour les story tours. Ouais. Vraiment, ça, différents formats. Ah ouais, il est plus grand, plus petit. Ouais, j'en ai des plus grands, moi aussi. Pour la deuxième partie, surtout avec la photo de Blood. Là, c'est pour la première partie du story tour. Ouais, c'est super. Bon, ce genre de petit truc, c'est sympa, quoi. Ouais, ça, c'est mortel, ça. Ah oui, puis dans le fond, bah attends, quand même, encore un truc de dingue. La fameuse invitation pour Dangerous au Savoy Hotel. Ah, c'est super. Franchement, c'est du vrai laiton. Hein. Alors après, attends, je fais le tour. Qu'est-ce que alors, là, on a encore quelques cassettes, donc pareil, hein. Comme j'ai pas retrouvé mes cassettes, donc je me refais. Un petit peu de temps en temps. 1,88 Après, ici, c'est toute la section CD japonais. Donc, les deux séries, version Blue Spec et version rouge. Une autre série aussi ici. Et puis là, après, c'est ça, tout et n'importe quoi. C'est 2014, je crois, de mémoire, cette version de cette série-là. Bah, ça, c'est les derniers, ceux-là. Ouais. Je sais plus comment on s'appelle. Là, les... 7€, bah, c'était pas cher. Hein. J'avais trouvé ça à la Fnac Châtelet. Ouais, c'est la Fnac, Ah, celui-là aussi, il est. Celui-là, il est compliqué, non ? Il n'est pas compliqué à trouver, ça ? Un petit peu, ouais. Ouais. Je crois que j'ai essayé de l'avoir plusieurs fois, mais il était un peu cher. Ouais, super. Après, encore celui-là aussi, tu vois ? Ah ouais, ouais. Visuel différent. C'est cool, c'est cool. Et puis, attends, il y a un truc de fou encore, là. Donc là, Alors, vas-y. Là, on arrive sur la section... Bon, alors, j'ai encore des cassettes qui n'ont rien à voir, mais... Petite promo Pepsi. Ouais, la fameuse compile, mais il y a le vinyle qui est sympa. Exactement, exactement. En picture disc. En picture disc. Ouais. Ça, c'est un mini disque sampler avec Black or White, je crois, dessus. Voilà. Ça, c'est vraiment sympa. Et là, c'est la petite section Ben. Donc, la fameuse Betamax mexicaine. Ouais, ça, c'est fou, ça. On a, tac, la promo japonaise. Ah ouais, ça, c'est compliqué à trouver, ça aussi. Après, il y a différentes... Parce que toi, c'est vrai que, bon, les gens ne savent peut-être pas tous, mais t'es un dingue de Ben. Toi, tu t'es dit... Je vais faire Ben à fond. Pourquoi cette histoire ? Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques années, on s'était rencontrés au Hard Rock Café, un truc comme ça. Pour Michael Bush. On en avait discuté, puis tu me demandais ce que je collectionnais. Et en fait, tu avais vu que moi, je partais partout. En fait, j'étais CD, vinyle, un peu de tout. Et il m'avait dit, mais consacre-toi à une collection, à une section de temps en temps et essaye d'approfondir. Et donc... comme j'étais quand même pas mal 45 tours, je me suis lancé dans les 45 tours. Mmh. Et du coup, quand j'ai vu que pour Ben, en fait, il y avait pas mal de versions, en fait, je me suis lancé là-dedans. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais voir les cassettes, je vais voir les DVD, je vais voir les CD. En fait, j'adore cette chanson, mais c'est pas un truc de fou complet. Hein, Mais tu t'es dit, voilà. Mais alors, c'est moi qui t'ai dit ça. Non, c'est pas moi qui t'ai dit ça. Tu m'avais dit, mais concentre-toi de temps en temps. Donc, je suis vraiment désolé, alors. Hein, surtout désolé pour ta femme, encore une fois. C'est ma faute. Alors, voilà, je t'ai donné une idée, t'aurais pu choisir. Exactement. T'aurais pu choisir Manny de Miro, voilà, ou je sais pas moi, Bad, Dangerous. Non, j'ai choisi Ben, tu vois, c'est. Mais ça aurait pu être pire, t'aurais pu choisir un des titres fake par exemple et tout, ça aurait été vraiment pire. Ouais, ça aurait été trop drôle aussi. Bon. Ouais, donc voilà pourquoi, ok. Et alors donc, attends. Alors là, on a les 8 tracks. Ah ouais, ça c'est super. Voilà, bon, j'ai celle-ci. Ouais, celle-là elle est super, on l'avait montré, je me souviens. Ça, tac, c'est super bon, on avait eu l'occasion d'en discuter chez toi. Quelques CD, Japon, Taïwan, Japan, Russia. Bon, pas mal de petits trucs. Attends, il y a une petite boîte. Là. C'est quoi là ? C'est alors ça n'a rien à voir avec Ben. Ah oui, je crois que c'était Ben version Pepsi, c'est marqué Pepsi. Non. Je l'ai aussi le petit spot de pub que je ne retrouve plus pour Ben. Ça en fait c'est la bobine de la pub Pepsi avec Alonso Ribeiro. Je sais pas si on va voir quoi que ce soit, c'est peut-être le début. Alors, ouais, enfin, on voit que incroyable. Alors, ça, c'est beau, ça. Donc, voilà, ça, c'est compliqué. Mais t'as pas le projecteur, il faut non, faut qu'on investisse. Ouais, parce que moi, si j'ai des bandes, il va falloir qu'on s'y mette là. Ah, ça, c'est beau, ça.
Ça, c'est très très fort. Bien. Donc, j'ai le même pour Ben aussi. Ok. Mais bon, ça c'est cool. Bon, à retrouver un C4. Attends, on oublie quand même le CD3. Oui, c'est vrai. C'est un des plus rares à trouver, les plus compliqués à trouver, les plus chers. Ah, ça, c'est vraiment superbe. Bon, après, il y a aussi, voilà, on va rentrer dans quelques cassettes. Ouais, ouais. Ben ça, après, c'est vrai que les cassettes, c'est... Enfin, c'est sans phare, remarque, non ? Peut-être que toi, t'as déjà... Non. T'as fait le tour, un peu ? Tu crois que t'as... Pour Ben ? Ouais, pour Ben. Ah non, j'en ai vu beaucoup d'autres. Et parfois, les prix s'enflamment, on sait pas pourquoi. Et parfois, tu les trouves... Bah après, cette vidéo, la vidéo, les prix vont s'enflammer. Malheureusement, parfois, c'est ça. Oui. Hein. Les gens vont être excités, vont tout dire, mais Ben, c'est génial. Mais oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ne collectionner que Ben ? J'étais un erreur dans cette section, mais bon... Ah ouais, alors après, des petits combos, comme on dit. Voilà, les petits combos. Voilà. Je sais que Renault, il adore ça. Spécial dédicace à Renault, j'allais le dire. Là, il y a quelques promos que j'ai reçus il n'y a pas longtemps. Ouais. Ghost. Tac, tac, tac. Le fameux MG1. Musical, pardon. Ouais, musical, très sympa. Enfin, c'est encore plus sympa quand on a vu le show, après. C'est clair. C'est encore Blood, plus cool. Ah, ça c'est Taïwan, ça. Taïwan. De toute façon, tout est sympa, là. Hop, ça, c'est le promo. Ah ouais, ah ça c'est cool ça. Là c'est la série, hop, vas-y approche-toi, mexicaine. Ah oui, c'est la série qui était compliquée à avoir, surtout au bon état, parce que la douane, il donnait des coups de cutter, je me souviens pas. Exact, alors j'en ai 3 d'ouverts, et tous les autres sont scellés. Oui, mais il y avait tout ouvert au cutter pour voir s'il n'y avait pas de la drogue ou je sais pas quoi. Puis le fameux presse-papier là. Exactement, j'adore. Ça c'est vraiment super beau. C'est assez compliqué à trouver ça aussi, mine de rien. Allez, on continue. Attends, je regarde après. Oh là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a encore plein de trucs là. Il y a du merch partout là, c'est vraiment incroyable. Alors, vas-y, on descend d'un cran. Alors, là il y a du Tito, là il y a du TG, là il y a un petit peu de Neverland. La petite dédicace. La fameuse, ah oui, la fameuse clé USB. Exactement. Ça c'est vraiment. J'ai même eu les petits M&M's, on les goûtera tout à l'heure si tu veux. Ah oui, on les mangera, on s'en fout avec le café, c'est pas grave. Nous on mange des collecteurs, on s'en fout. Voilà. Ah, avec les fameuses petites cartes. Alors j'ai pas les 95 000 petites cartes, mais j'en ai 3, je suis content. Les mini disques, alors j'ai pas le fourreau, mais bon, on fait comme on peut. D'ailleurs, les mini disques, il y a un nouveau mini disque qui a fait son apparition sur eBay là, il y a pas longtemps. Là. Ah. Une autre version, un autre History? Packaging que j'avais jamais vu. Ouais, un espèce de truc mix entre Japon et Europe, un espèce de truc hybride. Ah, là, ça c'est sympa aussi, ça, le petit packaging avec les écouteurs, ça c'est récent. J'en ai une autre pour Thriller là-haut. Donc, une grosse boîte comme Dangerous, pardon. Comme une cassette, ça c'est vraiment sympa. L'album Michael, alors là je ne dis rien, mais bon. les deux seules versions que j'ai. J'ai vu que tu en as deux déjà. C'est... Ouais. Ah oui, j'ai la vraie et la nouvelle. Exact. Ah oui. Et je crois que j'ai une version japonaise, mais voilà, ça s'est arrêté là pour c'est bien, c'est bon. Album. Je ne vais pas te taper alors, ça va. C'est bon. Alors après là, attends. Alors là, on a quelques pins. Ah oui, ça j'adore ces petits pins. Là. Alors après, on descend encore d'un petit cran. Alors là, c'est un peu fourre-tout là, ça commence à. Attends, la série des 12 tapes, 8 cassettes. Alors j'en ai pas beaucoup, hein. Je sais qu'il en existe beaucoup. Ouais, il y en a pas mal. Ouais. Tu vois, ça je les ai rachetés parce que pareil, je les ai pas retrouvés. Bah ça, c'est vraiment avec ça, avec ces deux CD moi que j'ai découvert Jackson 5. C'était vraiment mes deux premiers CD que j'ai achetés à l'époque, en 94, je me souviens. Et puis là, c'est que des CD compiles. Ouais. Ça c'est bien, ça. Rainbow là, les The Jackson. Voilà, c'est ce dont tu me parlais tout à l'heure là. Ouais, ça c'est en CD. Tac. Celui-là, il est australien. Celui-là. Australien, ouais. Puis ça aussi, c'est sympa, tu vois, c'est des doubles. Ah oui, ça c'est compliqué, ça c'est japonais, ça. Ouais. Non, ça c'est parce qu'il y a les mêmes en japonais, je me fais avoir. Oui, il y a les mêmes japonais, ouais. Ça c'est les américains, mais il y a les mêmes en japonais. Ouais. Et ça, c'était sympa. C'est un radio show avec Dick Clark. Je crois que c'est une des rares versions en CD. Ah, après, il y a toute une section en vinyle. D'accord. Dont j'en ai pas mal, j'adore ce genre de truc, c'est des interviews pressées en vinyle de leur passage radio un peu partout dans le monde. Non mais là je vois des trucs là à côté de moi, là. Je vais piquer des choses là, je vais repartir. Je t'entends. Vérifie les poches parce que là c'est incroyable. Ah, attends, mais alors là c'est une orgie de collecteur là. Je vais pas bien le sentir là. Alors là, les petites casquettes. Non mais rate ça un peu. Donc ça j'en ai mis quelques-unes dans le bouquin. Ça, c'est vraiment sympa, ça. À l'époque, ils avaient fait vraiment un délire. Bah, ça, c'est années 80 à fond. Ah ouais, c'est typique. Un peu pareil pour... alors là, c'est Tissu, Thriller, Beat It, Thriller et Thriller. Oh, ouais, là, t'as été la fameuse... Ah oui, la fameuse visière que tout le monde veut. Exactement. Après, il y a des petites chaussures. Ah, comment c'est mignon, ça. Alors, ça, c'est drôle. Bébé, ça. Mais oui. Tac, regarde comment c'est beau. Ça. Alors, elles ont un peu morflé, celles-ci, avec le temps.
Ce sont un peu le cuir un peu morflé, mais c'est mortel. Voilà. Et tac. La guerre bébé, ouais. Quoi. Même les bébés avaient droit alors. Exact. Mon gant de l'époque. Ah oui, le fameux gant là pour faire coucou à Michael. Exact. Spanky. Voilà quelques. CED, non CED. CED japonais américain. Voilà. Toi t'as reçu l'anglais il y a pas longtemps. Ouais, ouais, ah oui j'ai oui l'anglais en même temps. The Wiz. The Wiz ouais, en deux, deux volumes. Ouais. Double. Celui-là, il est compliqué à trouver. Disquette. Hein. Ouais. Oh là là. Là une petite section porte-clés. Wow. Donc il y a du Toa. Ah oui, il y a que des trucs Disney, pas trop compliqués à trouver. Il y a des trucs comme ça, par exemple. Ça, c'est beau, ça. Très compliqué à trouver. Ah ouais. Ah oui, Neverland, c'est un vrai, ça. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Alors ça, waouh. Attends, je m'attarde un peu sur ce porte-clés. C'est vraiment superbe. Dangerous Tour aussi pour Munich. Superbe. Ouais. MJ1. Attends, il y a tout. Il y a le fameux porte-clés pour le Victory Tour dans le fond. Exact. Celui-là même, voilà. Bon, Towa, effectivement, il y en a trois avec le fameux sticker derrière. Sticker. Superbe aussi. Le petit cuir. Ouais, History Tour. D'ailleurs, c'est marqué derrière. Ouais. History Tour. Et la gear, tout est incroyable. Quelques ça, pins aussi là, le petit porte-clés Dangerous. Ouais. Wow. Ça c'est sympa là pour. Toi je devrais faire ça là chez moi, mettre un peu des porte-clés comme ça. Ouais, c'est cool. C'est joli. Dans le fond on a toutes les tenues aussi pour les poupées de rechange. Alors j'ai vu que c'était des doubles maintenant parce qu'à l'arrière c'est le visuel qui est différent. Ouais, le visuel change. On en avait parlé donc je suis dessus. Donc ah oui, t'es dessus. Donc en fait il y en a 12 en tout à voir. Tu veux tout avoir. Mais là j'en vois que 5 déjà. Donc c'est... Ouais. Là c'est mal barré là. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. J'ai pas de place. Alors attends, comment on fait après? Attends, qu'est-ce qu'on regarde? Attends, ah oui. Alors on remonte là, Bon là elle est tombée mais elle est là. Il y a le fameux Viewmaster, la radio, il y a le micro là. Ah le fameux MJ5 aussi en boîte, ça c'est pas mal. Et puis attends là on a quoi là, Daryl là? The Wiz. Ah ouais. Alors je sais qu'il y en a deux, toi t'as les deux. Non, il y en a trois. Il y en a trois. J'en ai trois maintenant. Ah, oui, j'en ai trois, mais ça c'est beau, il est beau, ça c'est beau, ça c'est des super belles boîtes. Donc, dedans il y a des spots pub quoi pour la radio. Et après, ça, j'avais présenté un, mais en fait, Wannabe. Donc il y a la version courte et il y a la version longue. 630. Ah oui. Donc ça c'est des versions qu'on peut aussi écouter en vinyle, tu crois ou... Ah oui. Ouais. Tac. Enfin, t'as pas vérifié, ça se trouve, c'est peut-être des versions légèrement différentes, ça se peut. Possible. Ouais. Bah oui, c'est possible. Ça, c'est mortel, ça. Ça, c'est impossible à trouver, ça. Et I just can't stop loving you. Waouh. Là, franchement. Tac. Balèze. Ça, c'est le genre de truc que j'ai pas du tout. C'est comme les acetates. T'as pas des acetates ou des... Non, malheureusement. Ça, pas c'est encore. C'est le genre de truc que je collectionne pas du tout. Mais... Alors, on continue là-haut. Alors, là-haut, il y a quelques gobelets, canettes. Ah, le fameux globelet, là, tu m'avais ramené ce globelet. Ouais, concert de D3T, D3T à l'Olympia. Ça c'était sympa. Il y a le clavier derrière. Ah oui, le fameux clavier. Ouais. Quelques mugs, quelques figurines. Les verres, là, qui existent en plusieurs couleurs, pour thriller. Ouais, les canettes. Ah, et dans le fond, on a les fameuses figurines. Ouais. T'en as trois aussi, t'as la même. Ouais, c'est pareil que moi, je pense. Tu en as une qui te manque, et je crois qu'on a. Voilà. Il nous manque la même. La même. Les canettes Mystery. Ouais. Alors, en fait, je me suis dit que je collectionnerais plus les canettes pleines parce que, en fait, pour la petite histoire, celle-ci, elle était pleine. J'avais acheté les deux à Amsterdam quand j'avais été voir Michael. Et pour le coup, une fois, elle a explosé. Ah donc, elle m'a abîmé plusieurs vinyles. Donc, elle a explosé toute seule. Donc, c'est pas une légende. Comme moi aussi, j'avais fait une vidéo là-dessus. On parlait surtout des canettes Victory. Ah mais ouais. En fait, voilà, même les canettes Mystery peuvent exploser. Voilà, tout ce qui est plein, je les ai mis... Donc, faites très attention. Je vous le redis. Alors, c'est dommage parce que quand on achète des canettes pleines, c'est coûte plus cher, mais on et les ouais. vide. Mais bon, après, il faut faire des choix dans la vie. Si vous voulez garder votre collection intacte, il faut faire très attention. Alors là, ah oui, là, on a les fameuses... Ça, j'ai jamais eu ces trucs-là. Là. Alors, il en existe deux, la version... Ouais, zombie. Zombie et celle-ci. Ouais, ça, c'est devenu hyper compliqué à trouver. C'est hyper moche. Hein. Bah, il faut le dire, c'est quand même c'est clair, moche. C'est mais clair. Plus c'est moche et plus c'est et dur à trouver. Et maintenant, c'est hors de prix. Hein. Ouais, c'est quoi, c'est au moins 300 euros quoi, ça, c'est facile. Euros, 300 euros. Ouais. Facile. Ouais, ça, c'est de la folie. Après, des belles petites canettes. Lisbonne, le gobelet et la canette. Ouais, ça, Japon, les parfums. Brésil, Grèce. Il y a le fameux. Ouais, attends, il y a tellement de trucs à regarder. Il y a aussi le fameux truc promo là. Ça c'est cool ça. Ouais. Pour la fameuse voiture, le fameux action game derrière, exact. Scellé. Bien, scellé, bien. Scellé. Moi, je l'avais scellé, mais je l'ai ouvert. Moi, je voulais vraiment voir ce qu'il y avait dedans. Donc... Le fameux portefeuille. Ah oui, white, j'ai vu qu'il y a aussi mes cartes. Alors, après, ici. Ah, attends, là, c'est, alors, ça, attends, attends, c'est attends. L'affiche. Alors, là, il y a le Michael Pitt, c'est 3D que j'ai fait encadrer. Ouais, ça, c'est super, ça. Donc, il y a trois posters comme ça qui existent. Il y a Spanky et Bubbles aussi. Mais celui-là, déjà, c'est assez compliqué à trouver. La fameuse petite affiche aussi. Que j'avais piqué à Munich. Ouais, MJ and Friends. MJ and Friends, ouais. Ouais, ça, c'est beau, ça. Ça, c'était un sacré moment. Oula, et là, c'est quoi, ça? Ça, c'était Michael qui nous lançait
C'était au Royal Monceau. J'avais réussi à récupérer une tête d'oreiller. Ah oui, donc ça, c'est un vrai truc d'époque, ça. Ouais. Ça, c'est... Mais ça, c'est mortel, ça. T'es hyper chanceux, toi. Et ouais. Alors, il en avait balancé plusieurs. Et à l'époque, il y en a qui s'étaient battus. J'étais avec un pote et donc on avait lâché l'affaire. Et puis, à la dernière minute, il relance un autre oreiller. Ouais. Enfin, une autre tête d'oreiller, pardon. Et du coup, elle m'est tombée quasiment devant. Je l'ai prise et puis on s'est sauvés. Alors, ouais. Ça, c'est vraiment... Ah, ça, c'est mortel, ça. Ouais. Bah, ça, c'est un des plus beaux autographes que t'as, quoi. Ah, bah, c'est clair. Ah, bah, surtout que si t'étais là, en plus, quand il achetait le truc, c'est vraiment. Waouh. Ah, attends, je repars par là, parce que du coup, attends, je vois encore des CD hyper rares. History of Michael Jackson, ça, c'est très compliqué à trouver. Childhood, aussi compliqué. Test of Invincible, ouais. Incroyable. Voilà, encore Childhood. Voilà. Rod Temperpen avec la version longue. The Lady on My Life. Ouais. La version longue. Alors, qu'est-ce qu'on a. Donc, une petite section jeux vidéo. Ah, ouais. Ça, c'est espagnol. Ouais. Donc là, pareil, il y a de quoi faire. Hein. Je sais pas si j'étais au bout, moi, non plus, la Moonwalker. Et... Oh, pff, ouais. Il y en a beaucoup, mais... beaucoup. Donc, ouais. Moi, j'ai vu que tu en avais des millions. Donc, Ça, c'est beau, ça aussi. Ça, c'est la bande. Ouais, ABC, Ampex. Ampex. Ouais. Ça, c'est vraiment très, très beau. Après, oui, je vois ça, là. Ça, ouais. C'est bon, ça aussi, ça. Alors, j'avais le périscope aussi en noir, que je ne retrouve plus non plus. Ah, d'accord. Non, mais là, c'est mauvais ici. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il y a une faille temporelle, il y a un truc, ça disparaît pas. Quelqu'un vient se servir de temps en temps. Je sais pas. Ça, c'est cool parce que, tu vois, moi, j'ai le noir, j'ai pas le blanc, et le blanc est assez compliqué. De toute façon, c'est un peu compliqué à trouver. Ouais, c'est clair. Quelques jeux expérience. Les gants. Alors là, c'est pareil. Alors ça, ouais, bon, celui-là, j'avais, alors, le porte-gant s'y prête pas trop, mais, ouais. Voilà, Thriller World Tour de 1984. Ouais. Bah, ça, c'est cool parce qu'on se rend compte que, voilà, ça aurait dû être le Thriller Tour. Et pas le Victory. Et ça, c'est beau. C'était l'invitation pour Thriller Party. Ouais, ça, c'est vraiment superbe. Là, très compliqué à trouver. Après, du Towa en dessous. Un petit peu de Towa. Il y a quoi? Il y a un petit carnet, il y a la porte-stylo, quelques badges. Il y a du Pets aussi. Il y a celui-là que j'adore. Ah ouais, avec le packaging. Avec le packaging. Ça, c'est vraiment superbe. Tac. Sony aussi. Akira Basso. Tac. Et toi, j'avais les trois complets. Je ne retrouve pas les deux autres. Oh là là. Non, mais là ça va pas. Il faut se reprendre. Ouais. T'as tendance à perdre les trucs, quoi. Ça c'est chaud, quoi. Ouais. Et attends, on n'a pas parlé de notre ami William aussi ici. Et oui. Parce que ça me fait penser à William quand je vois ça. Alors, offert par William, cette petite triplette. Les diamants, c'est ça ? Ouais. Wow. Et là, en fait, ça, c'est William qui m'en avait parlé. J'ai dû lui en acheter une ou deux. Je sais plus. Donc, celui-là, c'est une des plus rares avec deux petits morceaux de tissu. Doubles, c'est encore plus rare. Ça, c'est mortel. Il en existe une avec trois. Wow. Ça, c'est ça, beau. Ça, c'est carte. Je sais qu'il y a encore des gens qui sont à fond là-dessus. Ouais. Bon, c'est un peu donc, tombé, on va dire. Mais ouais, bon. Mais ça reste cher quand même. Ouais, ça reste très, très cher. Très compliqué à trouver. Ouais. Et puis, après, qu'est-ce que nous avons? Alors, après. Alors là, on arrive dans ma section. Section 45 tours. Donc là, il y a du poster. Je sais même plus. C'est que des trucs officiels. Ouais. Là, j'ai le. Coffret d'Arno Bani. Ouais, le bouquin, ouais. Ah, j'ai deux, trois trucs. Ça, c'est le poster Sony Kira Basso. Là, t'as du Jackson Fade dans le fond. Tac. Ah oui, ça, bah attends, monte de plus. Hop. Ah oui, ça, c'est les arrières de boîte de céréales. Exact. Alors, j'ai pas la boîte complète, mais j'ai une façade. Mal, hein, ouais. Parce que c'est... Donc, vu le prix, c'est hors de prix. Et puis là, on a du 45 tours. Donc, j'ai classé tout par année de sortie. Voilà, ça commence par... Big Boy, le fameux. Donc il y a les deux. Alors hop, voilà. J'ai repris celui-là parce que celui-là il était écrit, mais en fait c'est les deux références qui sont juste différentes. Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai le promo. Alors j'ai les deux versions. Blanc, ouais. Ouais, avec les deux écritures différentes. Ouais. Et de mémoire, je crois qu'il y en a une qui était vendue en commerce et l'autre qui était vendue pendant les concerts. Ah ouais. Laquelle des deux, je ne sais plus, mais voilà. Incroyable. Alors, la réédition. Alors là, les amis, quand je vous dis que j'ai une petite collection, regardez-moi un peu tous ces vinyles. Voilà. Ça, c'est que du 45. Ouais. Ouais, donc là, de toute façon, voilà, ça, ouais, ça c'est beau, ça c'est très beau. Pareil, ça c'est donc sans voilà, fin, j'ai du test pressing aussi. Voilà, on peut rester des heures à filmer tout ça. Hein. C'est, non, mais on va passer rapide. Ah, attends, ça c'est bon. Ça c'est Norvège, quoi. Ça c'est Norvège, c'est hyper compliqué à trouver. Ce qui est bien, c'est qu'on touche tous les pays en fait. Ouais, celui-là il est beau aussi. On saute d'Italie en Espagne. Je ne sais pas tout déranger parce que là je sens que. Non, mais t'inquiète. Ah, celui-là encore Norvège. Bah, de toute façon, tous les pressages norvégiens sont vraiment très jolis. Suédois, je suis. Ah, oui, ouais. Suédois. Ouais, c'est... Nouvelle-Zélande, là, regarde. Oh. Tac. Ouais, celui-là il est rare aussi. Ouais. Encore Suède. Ouais, donc là, t'en as quand même pas mal. T'as combien de 45 tours, c'est à peu près? Juste pour qu'on se rende compte du délire, là. Ah, ça, c'est beau, ça. Je sais même pas.
Plus de 800, c'est sûr. Ah ouais, c'est incroyable. Ah ouais, Turquie, regarde ça. Ça, c'est haut. Oh là là là, attends, je regarde vite fait encore. Encore en Suède. Attends, les Suédois, tu les as tous, là, quasiment, là. Pratiquement, ouais. Philippines. Ouais. C'est des pays pareils. Parce qu'après, je sais que tu fais aussi toutes les compiles, là. Thaïlande, tout ça. Ouais, là. Ben on va y arriver, là. On va y arriver. On va y arriver. Ah, c'est il y a du promo. Alors, il faut se dire que pour chaque pays, il y a un pressage, il y a une version promo. Donc, on s'en sort plus. Ouais, c'est vrai qu'on s'en sort plus. Mais par contre, les pochettes, qu'est-ce que c'est beau. Thaïlande, ouais. Thaïlandais. Avec la tête de Michael. Ouais. Là. C'est... Ouais, c'est rare tout ça. Là, c'est vraiment... Bon, je m'y connais pas trop, hein, je l'avoue. Mais on sent que voilà, il y a du lourd quoi. Allez, 72, allez, c'est vraiment vachement bien rangé. Celui-là aussi, je crois que Italie. Même les Italiens, ils sont beaux. Alors, c'est des pochettes un peu bizarres. Hein. C'est des couleurs très colorées, très. Dans le Danemark, ouais. Ça. Trop beau, trop beau. Bon, les amis, je suis obligé de passer vite parce que là, la vidéo va durer des heures. Venezuela. Ah ouais. Bon, je passe. C'est incroyable. Donc là, ouais. Ah, celle-là, celui-là aussi, il est rare, je Italie, crois. Ouais. Tu vois, c'est toujours des visuels couleurs un peu bizarres. Ouais. Oh là. Superbe. Puis ça continue ici. Bon, bah alors, après, qu'est-ce que t'as après en rare, là, pour. Surtout pour Michael, parce qu'après, on arrive avec Michael un peu. Ouais. Parce que là, c'est. Ah, ça, c'est sympa. Bah, tu vois, voilà, petite compile brésilienne, là. Enfin, ouais. EP. Tu vois, j'ai l'œil quand même. Ouais. Ah, et la fameuse. Ouais, le fameux italien aussi. Ouais. Ça, c'est sympa. Il était dans le Black and White. Ah oui, celui-là aussi, je me suis amusé à faire cette série. Cette série-là, ouais. Je les ai quasiment tous. Colombie, tu vois. On tire des trucs, on a alors, des vas-y, trucs de dingue. Non, mais c'est. Sors-le si tu veux voir. Attends, on a des trucs, je te dis. C'est marrant parce qu'on croit que. Ah, tu vois, j'ai carrément. Tu vois, bah, il y en a un, il n'y a plus d'étiquette. Bah, merci de m'avoir invité. Hein, c'est sympa, hein, le mec est un peu relou, tu vois. Cadeau. Voilà, UK. Bon, après, ça finit après, avec des trucs des qu'on va dire normaux. Il ouais, y a des poster bags. Il y a un c'est peu incroyable. Tout. Putain, après, ah oui, il y en a encore en bas. Il y en alors, a encore ouais, en dessous. Après, là, voilà. Tu voulais du beau, du rare. Ah oui. Alors, tu sais, pour la petite histoire, celui-là, je l'ai eu, bon, un peu cher, mais pas très cher. Et les gens s'excitent dessus. On m'en a proposé des fortunes hein, pour ça. Ah oui, ah, et la version bleue. Alors ouais. Ça. Bon, il est un petit peu abîmé, forcément. Hein, mais ça, c'est vraiment assez rare. C'est même très rare. Ouais. Donc, et tu crois qu'on l'avait aussi. Ah bah oui, gratis. On l'avait. Ouais. Parce que moi, j'ai le normal, le noir. Ouais, gratis. Et il était, donc ça veut dire qu'il devait être mélangé de temps en temps. C'était soit le noir, soit le ouais, bleu. C'est ça. Au petit bonheur, la chance. Ouais. Ah ouais, ça, c'est cool. Au petit bonheur, la chance. Et puis attends, la débâcle, là, c'est encore. Alors après, là, on revient. Donc, bon, là, il y a quelques sacs. Il y a du Pepsi allemand. Il y a du Dangerous Tour. Ah ouais! Batour! Non, mais attends, c'est un truc de fou ça! Alors, ça là, j'en tu vois, plus, pour hein. aller faire tes courses. Ah ouais! Salade, tomate, oignon, tac, ah, plus ça, ça, c'est trop beau! Tu sais, moi, je suis plus marchand magazine, quand je vois des trucs comme ça là. Oh, oh, oh. Ouais, le fameux sac Captain. Alors, je m'attendais pas à ce qu'il soit énorme celui-ci. Ouais, il est grand. Tokyo Disneyland. Ah, il est trop beau, tu vois un peu. Ah oui, mais attends. Mais attends, c'est un truc de fou! Ah oui, il est énorme! Mais le mien, il n'est pas grand comme ça. Toi, tu l'as en plus petit? Ah, moi, c'est le même que ça, mais il est. Ouais, il est plus petit. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si grand que ça. Non, mais attends, là c'est un truc de fou. Tu m'apprends un truc ou. Donc, ça veut dire qu'il y en a deux différents encore. Le fameux coussin, j'en ai rêvé. Ça y est. eBay l'a fait. Ah ouais. Complet, avec super. Tout. J'avais fait une petite vidéo là-dessus. Ouais, ça, c'est cool, ça. Avec la petite carte, surtout. Exactement, carte, ouais. Et là, pour le coup, ben, regarde. Alors, c'est un peu le boxon, mais les 45 tours portugais. Ah ouais. Qui sont hors de prix maintenant. Ah, c'est bon. Non, mais là, t'as de quoi faire une expo, là. C'est un truc de dingue. Tu vois, promo portugais, offerta. Tac. Alors, sachez qu'il m'en manque un. Ouais. C'est combo Ben portugais, pochette verte. Si vous l'avez, ah, pensez à moi. Okay. Je vois même pas du tout ce que c'est. On fera une petite incrustation. Ça, c'est les. Alors j'ai adoré cette série, c'est tous les Hollandais de couleurs. Donc il y a le Christmas album, enfin les maxi, drummer. Ah oui, je crois que j'en ai qu'un. Ouais. Jack. Ah, si, après ceux-là j'en ai plus, ceux-là ils sont un peu plus sympas que trouver ceux-là. Mais il m'en manque beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Il y a 3-4 couleurs différentes ouais, pour certains. Fois, donc, fois, ouais. Voilà. Et là, on attaque la série thaïlandaise. Donc, avec bon, les fameux deux promos ah oui, qui existent promos, en maxi. Ça, c'est beau, ça.
pareil, regarde, tu vois, là on se dit Easy Down the Road, mais c'est vraiment un EP. Il y a peu de visuels avec les Jackson et Jackson 5, hein, les versions taille. Je vous dis ça parce que vous allez voir les super pochettes après, voilà. Et là, on arrive à des trucs qui n'ont rien à voir, quoi. Ouais, ça, c'est vraiment... Donc là, ouais, They Never Can Say Goodbye. Et puis là, on part dans des délires. Ouais, donc là, par contre, ça, c'est un peu sans fin, non, tu penses là, les compis comme ça... Je sais pas. En fait, c'est vraiment même des si trucs... Même si t'en as beaucoup... Tu vois, j'ai peur que ça soit vraiment sans fin, sans fin. I wanna be where you are. Tac, c'est vraiment des visuels. Ouais, ouais, c'est... C'est, voilà. Et donc ça, voilà, jusque-là, tout cet onglet-là, c'est que des compis, c'est incroyable. Tac, on arrive Malaisie, puis là, bim, Japon. Waouh, et puis avec... J'aime bien, parce que c'est vraiment... Bon, après, tout le monde le sait, mais... Avec les écritures japonaises à l'ancienne. Ça, ouais. On voit la typo change après, à partir des années 80. Là, c'est vraiment... Ça fait vraiment manga, Goldorak, un peu les écritures. ABC, ouais. Ah oui, celui-là, il y a. Celui-là, il est. Et ils existent tous également en promo. Et oui. Donc là, t'en as des promos aussi. Ouais, ah oui, celui-là, regarde celui-là. Ouais, c'est beau, hein. Ah oui. Bah, toi, tu connais, mais ouais. Moi, j'hallucine. Celui-là, je l'ai, j'en ai deux, trois quand même, mais. Oh. Ouais, c'est beau. Voilà, le promo. Ah oui. Là, c'est... Quelle créativité, quelle, je sais pas, voilà, au moins il y avait des choses, quoi, tu vois, c'est pas comme clair. Après. Pochette exclusive, hein, pour la plupart. Pochette. Ouais. Voilà, au moins ça change. Jackson, celui-là, il est beau, c'est ouais. Un peu rare, celui-là, je crois. Enfin, je crois pas, enfin, j'en sais rien. J'y connais pas grand-chose, je redis. Je pense qu'il est rare. Voilà, le Suzuki. Ouais, les fameux Suzuki, compliqués à trouver. Et ça continue. Ah, il y a le promo là. Voilà, rental. Voilà, quoi. On en avait discuté fois, j'en ai deux, je crois. Ouais. Et il y a les fameux rental aussi. Ouais. En plus des promos. Oh, mais super. Des ouais, promos. Non, mais c'est. Ça, c'est récent, ça. Ouais. Oh, il y a quelques années quand même. Ouais, hein, mais il était limité, ouais, hein, ouais, je crois, ouais, je me souviens, ouais, qu'on ouais, pouvait ouais, l'avoir sur Internet. Là, on arrive à Ben. Ah oui, donc là, après. Le fameux Ben. Pour ceux que ça intéresse, hein, s'il ouais, si y en a. On avait déjà, discuté. Bon, alors, Ben, voilà le délire, mais tu prendras tes cachets ce soir avant de dormir, parce que là, je crois qu'il y a un gros problème. 88 ah oui, oui, différents quand même. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est vraiment très très chaud, quoi. Ben, tiens, voilà, celui-là il a l'air beau. Ouais. Celui-là promo il a promo mexicain, celui-là, ouais. Celui-là promo mexicain, rare, tu ouais, vois. Voilà, voilà. Bon, voilà, bon, bah ça c'est cool. C'était encore un bac. Bon, voyons, il y en a encore beaucoup à voir là ou c'est... Ah oui, il y a encore tout ça. Attends, il y a un petit bac de merch avant là. Alors, ça. Attends, ça c'est quoi? C'est rien que ça, c'est génial. Tu vois, on parlait des jeux Moonwalker. Tac. Alors les Japonais font pas les choses à moitié, hein, tu vois, c'est un petit hop là. Ah oui, c'est un petit poster Mega Drive. Ah ouais, ah ça c'est super ça. Ah oui, on se donc, doute pas que ça fait ça quand tu le déplies. Je crois ouais, que c'est juste un petit magazine, moi. Mais... Ouais. Voilà, Game Gear. Puis derrière t'as un petit truc Neverland. Voilà, un petit. Ouais, ni vu ni connu. Un petit bouquin Neverland. Toc. Ah ouais. Ça c'est beau ça. Ouais. Et ça c'est quoi ça, c'est quoi ça, ça. Alors ça c'était un magazine, c'est un fanzine qui date de 94. Ah ouais. Ouais. Alors c'est j'adore pas ce genre de. Quand même, mais... Ouais. Ouais, des petits trucs Captain Nemo. Ça c'était pour les employés de ouais, les Disney. Members, c'était pour ouais, les informer. Cast members. Voilà. Ouais. Ça c'est un petit truc japonais Captain Nemo aussi. Ouais. Il y a le même en version américaine je crois avec la même mise en page quasiment. Ouais. Ah, ça c'est super tout ça. Oh, les storybooks là, Moonwalker. Donc il y a l'américain, il y a le japonais, il y a le français. Après il y a le petit programme. Un petit derrière, programme avec le ticket American sympa, Cinema Award. Avec le petit ouais. Gregory Peck, Elizabeth Taylor et Michael. Le fameux comics Bart. J'adore, j'ai toujours rêvé d'avoir ce truc là. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est vraiment cool. Un pressbook, press kit. Ouais, history. History, ouais. Ça c'est sympa, ça c'est européen. Ça. Ouais. Ouais. Ça c'est beau. Bon, ça, dommage c'est... qu'il n'y ait pas de photos, qu'il n'y ait pas de. Ouais, mais bon. Comme pour la période Bad où il y avait même des petits ouais, négatifs, ouais, des bah, petits ouais, trucs ouais, bien sympathiques. Bon, quelques right magazines. On, right ça, on. Ça commence à être cher aussi ouais, ces magazines. Hein. Et rare, ouais. Ouais, ça c'est compliqué. Platine. Le fameux Platine avec Christophe dedans. Ah ouais. Press Kit Neverland. Ah. Ouais, stylo, autocollant. Ouais, toi, t'as ça comme ça dans des bacs, quoi. On les voit ouais, même pas, c'est même pas exposé. C'est... Life. Mais si, après, je vois des programmes de ouf. Ouais. Là, dans le fond, là, y a donc des là, programmes t'as tous les Rolling Stones. Ouais, ouais, ça c'est cool. Tac. Ah, bah oui, quand même. Ça c'est mortel. Pepsi World mortel. Ça c'est mortel. Avec... C'est pas Ben, non, c'est pas Ben. Si, c'est Ben dedans, ouais, c'est bien ça, je me trompe pas.
Celui-là aussi qui est sublime. Pourquoi cet enfant se couche après l'heure? Ouais, exactement. Je me souviens. Pour le fan club, World Club. Bah, t'as tous les plus gros press kits là. Franchement, c'est mortel. Les stickers avec le. Ouais. Alors là, on a Time. Des autocollants, coloriage, 3D. Ouais, le fameux programme de Black and White qu'ils avaient. Yes. Fait. Bon, ah, du Maria Carré, ouais, ouais, c'est ouais, bien, bien. Ah, Maria, encore Maria, c'est bien. Thriller Live. On le dira pas, on le dira pas. Thriller Live, Thriller tu couperas. Escape, ah oui, c'était pour Japon, ils avaient fait ça, ouais. Je me souviens, des petites pochettes. Calendrier, 2,49€. Ah oui, ça, ça va, prix imbattable. Programme The Wiz. Ouais, le petit les 3T, 3T. Concert de l'époque, 97. Ah, bon, l'expo, ça, ouais, l'expo, ça, bof, ouais, bof bon, ça, ça non plus. Bon ouah, ah, et puis là, on retraque des trucs. Là, on attaque, 70. Ouais, celui-là, il est beau. Celui-là, alors, ah oui, je le connais pas, pardon. Une Frotro, c'est quoi ça? C'est anglais, ça. Non, américain. Non, c'est américain, ça. C'était pour un concert. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est mortel, ça. Ça, c'est bien, parce que t'as un truc qui va avec, là, derrière, aussi, non? C'est ouais. La même police. Ça c'est top. T'allais dans le casino et tu pouvais manger, assister à Las Vegas et t'avais le menu pour assister au concert des Jackson 5. Ça c'est wow. Top hein, quand même. Ouais, ça c'est beau ça. Ça c'est tout simple. Mortel. Ouais, tout simple mais boum. Badaboum. Ouais, Jackson 5. Ça c'est Australie. Donnez-moi Australie. Ouais, c'est Australie. Australia. Crois-moi, même si je suis pas spécialiste. Ah, mais je vous crois, je vous crois. J'espère que je dis pas de bêtises, mais ouais, c'est Australie. On coupera au montage, t'inquiète. Non. Australie, voilà des, pareil. Là, des petits programmes, ça c'est quoi ce petit programme? C'est mignon, c'est bien, tout est beau. Là. Je connais pas ça. 71. Ah ouais, c'est un programme de où ça, tu vois? 10 shows du 8 juillet au 14. Diane Warwick, Circle Theater. Ah non, c'est Californie, États-Unis, ouais. Ah ouais. Ah bah ça c'est mortel ça. Après UK, bah celui-là on le connaît mais bon rare 72. Aussi. Celui-là un peu moins rare mais 73. Très beau aussi. Celui-là pareil, ouais, bah, 73. Américain. Celui-là très 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 rare. Japan. Très très beau, très rare. Voilà, en fait t'as pas mal de programmes inconnus quoi. Tout ça c'est des petits programmes. Là on attaque les Jacksons après. Ouais, donc le fameux. Ouais, tac, celui-là. Celui-là. Le fameux avec les deux. Là, voilà, les deux. Bravo. Alors, ceux-là, j'en ai que deux pour l'instant, mais je sais qu'il en existe quatre ou ouais, cinq. Ouais, normalement, il y en a quatre là pour quatre. L'instant. Quatre jusqu'à ce qu'on en découvre un autre. On sait jamais. Japan. Le japonais, pareil, apparemment. Ah non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Il y en a c'est aussi deux différents. Ouais, non, celui-là, mais après, il y a aussi le japonais, l'autre. C'est-à-dire que ça, c'est la première partie au Japon. Après, il y a un autre programme pour la deuxième partie au Japon. 87. Qui a la même mise en page que l'américain. Et apparemment, il y en a deux différents également. Donc, Italie, UK. Alors, tac. Alors, celui-là, Madison Square Garden. Et un petit truc sympa. Hop là. Ah, c'est beau ça. La petite invite. Ah oui. Ah oui. Invitation VIP. Le petit courrier. Voilà, et t'as le courrier qui va avec. Où, quand, comment, pourquoi, ah comment oui. S'y rendre. Ah, ça c'est beau. Donc, ça c'est sympa ça. Tu vois, ça change des petites cassettes de certains. Ah ouais, ouais, non, mais ça c'est très très beau. USA, voilà, après t'as le Japon, voilà, t'as après, un deuxième différent USA. Voilà, et c'est celui-là. Je connais. Celui-là, il y en a deux en fait. Deux. On a vu ça il n'y a pas longtemps sur Internet, il y a deux différents aussi. Ok. Ouais. Moonwalker. Change. Ouais, le petit programme, je me souviens de ça. Pareil, japonais. Eh ben, non. Ah, celui-là, rare. Ça c'est promo ça. Ouais. Le ouais. Fameux auditorium. Voilà. Taipei. Ah ouais, superbe. Oh. Ça. Ouais, même celui-là. What more can I give? Bon, ça, c'est du West Side Story. Hélène Segarra, non, mais là, oh là là! Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, The Wiz. The Wiz. C'est un grand truc qui se déplie. Voilà. Et puis après, dans le fond, qu'est-ce qu'on a autour du Massive Square Garden? Quelques magazines. Encore Stone. Les Stones avec les CD. Puis, Et puis les fameux coffrets et history book. Voilà, promo cassette. Promo, cassette. Pff, ouais. Américain, puis j'ai le Suisse. Ah oui? Ouais. Ouais, ouais. C'est derrière, ouais, c'est marqué en. Ouais, c'est juste un tout petit truc. Eh ben, non.
On ne sait plus où donner de la tête là. Il y en a partout. Et alors après, quand je vois qu'en dessous, il y en a encore. Ah ouais, là, c'est. Mais est-ce qu'on va regarder vite fait ces bacs là? On va regarder. Oui. Bon, alors vas-y. Alors fais voir. Montre-nous un peu tes bacs un peu en dessous. Ah oui, attends, oui. Alors on finit juste là. Ah oui, on n'a pas vu là. Coffret. Ah oui, les longs box là. Ouais. Attends, ça. Ça, c'est beau. Mais il est hyper épais. Ouais. Ah, j'ai jamais vu qu'il était épais comme ça celui-là. Ah ouais, par rapport aux autres. Bah, c'est comme c'est les CD sont doubles. Et il existe aussi forcément pour. J'imagine pour l'autre. Ah ouais, c'est beau. C'est beau. Ah, ça, c'est hyper beau. Donc, ça, c'est après, très compliqué. Là, alors, il y a un petit truc que je voulais juste vous montrer. Ah et oui. Après, on rebascule sur. Oh ah oui, petit cachotier. Je savais pas que t'avais ça. J'ai vu là, une montre. Jackson Family. Et ouais. Et en plus, on m'a dit qu'il y en avait beaucoup d'autres. Ah oui, il y en a beaucoup d'autres. Alors, attends, bon, il me reste encore ta place. Non, mais ça, c'est hyper compliqué à trouver. Et il y en a au moins une quarantaine. Ouais, on en avait discuté l'autre fois. C'est ouais. Vraiment très fort. Donc après, les montres Captain EO. Voilà. Et celle-ci aussi, elle est marrante, celle-ci. Je la connais pas, celle-ci. Ouais, c'est le même style que l'autre, tu vois, celle qui brille, enfin ouais. Qui clignote. Mais elle est officielle, tu vois, celle-là. Oui. Vraiment... Ouais. Oui, oui. Ouais, j'ai jamais vu celle-là. Ah, elle est superbe. Et la Dangerous. Ouais, la Dangerous aussi, hyper compliquée. Bah, en fait, le problème, c'est qu'une fois que tu as montré cette montre-là, les autres, elles paraissent fades. Alors qu'elles sont déjà très exact, rares. Ouais. Mais alors, celle-ci, vraiment. Regardez-moi. Avec les petites notices. Jackson's. Je sais pour. Ah ouais. Elle est belle. Ah oui, parce qu'il y avait des boîtes en fait. Alors moi j'en ai trouvé une avec la boîte d'origine en long là en plastique. En plus celle-là j'ai trouvé vachement belle parce que les. Ah ouais non mais c'est en métal et tout. C'est bonne facture là. Ouais. Assez joli ouais. Wow, là c'est dur. Là. Ouais. Bon il y en a encore 39 à trouver hein, donc t'es au courant. C'est parti pour. Bon les pins ne montrent pas. Oh, on montre pas. Les timbres pareil. C'est du normal. Après le fameux coffret français là très sympa. Voilà, bon, ça c'est pareil, il y en a 6. Hein. Ouais. Tu l'as vu dans le bouquin, t'as le bouquin. Ouais. Fais-nous voir encore 2-3 trucs là, parce que là je sors. Alors, là on sort, premier bac. Ça commence, Michael. Donc là c'est les picture discs. Qu'est-ce que t'as de trucs de ouf à nous montrer là? Est-ce que t'as des trucs de fou dans tes bacs? Chez. Ouf ou moi ouf. Hein. Ouais, j'ai This Is It. Ouais. Chez History, Blood. Blood, j'ai les deux. Européen et américain. Tac. Bad. Ah, le fameux avec le sticker, le promo, ouais. Le picture disc promo japonais. De Bad, ouais. Celui-là, il est super beau. Le suédois, il est beau, magnifique. Et celui-là, il est pas différent à l'intérieur, non? Il n'y a pas, hop, il y a pas un truc promo dedans? Ouais, ou non, si. Ah, c'est d'insert, l'insert est différent. Ouais. Il y a un truc. Bah ouais, ça c'est rare. Ça. Là, donc il doit y avoir quelque part des petits trucs comme ça qui traînent. Ouais, parce que ça c'est du merch, enfin du truc qui était distribué. Ou... Ouais, ça c'est beau. Ça c'est vraiment hyper beau. Okay. Bad 25. Ouais. Là on arrive sur un petit peu du Farewell. Le fameux. Ah, le fameux que j'ai pas, tiens. D'ailleurs celui-là je l'ai pas, tu vois. Celui-là? Ouais. Celui-là je l'ai pas, c'est chinois ça. C'est... Coréen. Ouais. Allez, c'est le deuxième coréen. Alors. Après, ah bah ça c'est beau les, ça. Les deux. Demandé. Ouais, les deux. Les deux y en a qui trois. Vont. Ouais. Allez, t'en as que deux. Trois, attends. Trois. Il y en a trois comme ça. Il y en a ça. Quatre, je crois, en tout. Et non, il y en a pas trois comme ça et deux petits. Les deux petits, on les a vus tout à l'heure. Ouais, les deux petits sont là. Ah, ça c'est beau ça. Et ils sont en bon état, on va dire. C'est... Moi, je crois que j'en ai que deux. J'en ai que deux sur trois. Philippines aussi, c'est super. Tu vois, il y en a deux. Ouais, avec les deux stickers, avec les stickers différents. Ouais. Ça, c'est compliqué à trouver. Ça. Alors, tiens, regarde, je te montre ça. Ah, promo brésilien dédicacé par Saïda Garrett. Ah ouais, ça c'est sympa, ça aussi. Eh ben, Léon, il y a des trucs là encore. Ah oui, il y a un truc de fou là encore. Là. Qu'est-ce que c'est de l'autre côté? Alors, il y a la litho et puis il y a le truc, c'est surtout ça. Oh là là, mais c'est quoi ce truc de dingue? Ça, c'est trop beau, ça. Oh, truc ça, c'est super. Hein. Pour Londres. Et là, du coup, après, tu avais. Donc, il y en a quatre différents chaque semaine. Ouais, ça, c'est allemand, ça. Ça, c'est super beau aussi. Ouais. Ça, c'est beau. Et après, bah, regarde, donc, il y a. La fameuse litho que j'ai pas encore cadrée. Et bien là, la belle affiche de Christophe. Superbe. Signée derrière. Exactement. Voilà. Là, après, c'est des cartons. C'est, oh, oui, c'est des cartons. Ouais, c'est juste des disques d'or. Ouais, j'ai pas de place pour les mettre, malheureusement. Je peux les mettre, alors je les mets là. Les malheureusement, ouais. T'as des disques de platine, des RIA aussi derrière les cartons. Non, même pas. Malheureusement, non. Dans cette section, donc on a les picture discs. Ben, bon, on s'en fiche un peu. Mais surtout, on a les fameux radio shows. Ah oui. Tu vois. Donc, interview que Michael, les Jacksons, tu vois, avec la tracklist. Et donc, tout ça, il faut les écouter et puis surtout les enregistrer, les mettre. Ouais, un de ces quatre, ouais, faut que je m'amuse à. Ouais, parce que là, il doit y avoir des raretés là-dedans. Mama's Pearl, les BC.
T'as les interviews, t'as les spots de pub de l'époque, enfin c'est assez drôle à écouter quoi. Et là, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, tu vois, de Love You Say. Hop, c'est reparti. Ah oui, t'en as vraiment beaucoup, Ah quoi. ouais, il y en a. Après, il y en a qui sont exclusifs Michael, d'autres exclusifs pour les sorties. Ils sont datés en plus. Et j'en ai un pour l'anniversaire de Michael aussi. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec même les Jackson, à un moment, tu les entends, les frangins en train de se moquer de Michael, en train de le taquiner. C'est assez marrant, quoi. Tu vois. Ah, c'est mortel. Qu'est-ce que je peux vous montrer Ah, d'autre? un classeur magique. Ah ouais, ça je me souviens ça. Nuit. Ah ouais. La nuit Michael Jackson. Là où tout le monde croyait que Michael allait venir, tu te rappelles? Exactement, ouais. Ça c'était un truc de dingue, trop de souvenirs. 71. Japon 73. Oh là là, ça c'est mortel. Oh là là. Billets japonais de concert. Oh là, regarde à l'arrière et tout. Oh, c'est superbe. Waouh. Victory. Ouais. Billets, après des passes. Ouais. Bon, j'en ai pas des tonnes hein, comme certains, mais. Ouais, ceux-là, ils sont beaux, ces tickets-là. Ça, c'était pour les derniers shows ou pour les Ouais. premiers shows? Non, pour les derniers. Dernier, ça. Pour le dernier, ouais. Où le ticket était vraiment très très beau. Waouh. Bon, après, il y a tous les passes. C'est vrai qu'il y en a encore hein. Pas mal de passes. Ouais, ça, c'était plutôt le ticket, on va dire, Classique, standard, normal. Ouais. ouais. Ouais, ça, c'est vraiment le classeur magique, là, que tu me sors, là. Exactement. Ah, c'est beau. Après, là, on arrive à Bad Tour. Ouais. Ça, c'est super aussi. Ah, ça, ouais, y en a pas mal à collectionner. Ouais. Ça, il y en a 5 différentes, ces Ouais. passes-là. Ceux-là, pareil, il y en a 8 en fait différents. J'ai appris, j'ai découvert en les collectionnant. C'est 87 et il y en a aussi pour 88. Avec d'autres couleurs. D'accord. C'est. Ouais. On n'en finit On jamais, croyait qu'il n'y en quoi. avait que 4, mais il y en a 8. Voilà. Le fameux concert spécial. Private. Donc après là, on a Ouais, bah ça, c'est pareil. Munich, Voilà, pour les tac. jeunes, vous voyez un peu les billets de concert qu'on avait à l'époque. C'est quand même autre En plus, chose que ouais, les ils sont trucs. Que les en trucs relief et tout, imprimés, ouais. voilà, tout est différent. Maintenant, on n'a plus rien, tout est sur Internet. C'est du 8 tickets en plus. Voilà, on n'a aucun souvenir. C'est quoi ça? Belgique, Werchter. Ah ouais. Ah là, c'est beau, là tu m'impressionnes, là, avec tes beaux Voilà, tickets, là là. les Ah petits ouais, les fameux stickers petits promo stickers. espagnols. Waouh. Donc là, Bad Tour Ah Japon. oui, non, mais regardez ça, les amis. Non, mais Avec ça l'enveloppe, ça c'est beau, hein. ouais, ça c'est trop beau, ça. Ça, c'est vraiment superbe. Ah oui, ça, c'est beau aussi. Donc ça c'est grec. Ah ouais. Oh là, c'est mortel. Turquie qui a été annulée d'ailleurs le concert. Ouais. Wembley Stadium. VIP. Voilà, après les billets. Ticket. Voilà, pareil. Celui-là qui n'a pas été utilisé. Ça, c'est quoi? Ça, c'est beau, ça? Tac, tac, tac. Ah ouais! Et là, on voit, fais voir derrière, là, on voit Regarde. le merch et tout. T-shirt, Ah ouais, le blouson. blouson et tout. Et le CD 3 Ouais, pouces. le CD 3 pouces. Thaïlande. Ah ouais, encore avec du merch. Ah super. Sympa, hein? Oh ouais, non mais là. T'en as combien des classeurs comme ça, là? Tu me fais peur. Bon, ça, c'est du Bon voilà. history. Ça, tu connais, Ouais, vous les toits. Oui, c'est normal, c'est connaissez. normal. T'as pas celui qui me manque, hein, on sait jamais. Non, j'ai regardé en plus. Voilà, history, tac, Prague, Ouais. Michael and Friends, à Séoul. Ça super. One Night Only, pareil, il y en a au moins 4, je crois. Oui, Il y a 4 couleurs ouais, celui-là. j'ai vu différentes Ce couleurs. passe, ouais. Madison Square Garden. La fameuse invitation, c'est laquelle celle-là? Pour le dîner ou la normale? Tac, normal. Voilà, ça c'est la normale. Mais elle est super belle. Bah 3D, déjà, ouais. elle est super belle. Et il y a la même qui existe pour être invité au dîner qui D'accord. suivait. Avec ton classeur, tu nous as tués là. Je T'as pense vu? que t'as pas un autre classeur quand même, non? Si. Si t'as un autre classeur, bon, Je peux pas tout on montrer. va se faire un dernier petit classeur, parce que là je sens que la vidéo est très très longue. On pourrait rester des heures comme d'habitude. De toute façon, Ouais, c'est clair. y a des milliers d'objets ici. C'est vraiment incroyable. Alors vas-y, fais-nous rêver. Carte téléphonique? Allez, les cartes téléphoniques, pour finir. Allez, on finit avec ça. Alors, deux stickers Ouais, ça c'est truc 3D trieur, là. ça c'était super sympa. Alors les cartes, ça c'est les cartes américaines. Ouais, américain. Là, il y a un petit peu de tout. Voilà, non, je regarde Captain O. Ouais, donc t'as pas la troisième, la plus rare, par contre. Si, 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 tu si, l'as? si, Tu l'as si. avec le château? Je les ai Ah, avec. j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ouais. Ça, super, super, bravo. Tac. Là, il y en a vraiment Ah oui, là dans beaucoup, beaucoup, là beaucoup. t'as été dans le délire, j'ai pas été dans ce Voilà, délire-là. les trois. Ah oui, avec le logo Moonwalker. Là, c'est avec la petite fille. Ouais. Et Et là, là, c'est c'est Speed Michael. Demon.
Ah ouais, ça c'est Dangerous. Beau. Ça c'est beau ça. Ça c'est hyper beau. Promo. Et ah oui, la fameuse carte Janet. Janet, ouais. Ça c'était bon ça. Ça aussi, ça, celle-là elle est rare aussi là. Ouais. Tu vois encore ça, elles sont belles. Ah ouais. Pff, c'est superbe. Dangerous History. Ouais, History, pareil, japonaise. Ça c'est Towa ça. Ouais. Ça, c'est bah Towa. C'est toute la série là. Tac. Ouais. Alors il y a deux logos, il y a le jaune et ouais. Puis il y a le gris comme ça. Et il y a le gris, ouais. Ça, ça c'est hyper beau. Ah ouais. Tu vois, même visuel, mais c'est. Ouais. Alors là, c'est mortel. Après, bon, bah, j'ai toute la section bouquin. Alors on peut juste finir sur. Attends. Viens voir là. Qu'est-ce qui se passe encore ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, les fameuses trois cartes dont tu me parlais aussi, je les ai. Ah oui, les fameuses cartes japonaises, ouais, tout à fait. Donc là. Donc là, il y a des bouquins. Donc là, c'est les fameux bouquins, notre histoire français. Espagnol, ouais, ouais, ouais. Anglais, allemand. Ah oui, donc même ça, t'as commencé à faire une série. Et là, Moonwalk, ça va de Japon, Tchèque, Suédois, c'est polonais, bon. Italien, japonais. Incroyable. Il y en a. Lituanie. Regarde comment il est beau. Ah ouais, superbe. Ah, c'est vraiment. Pff, ça va loin. Et pour moi, le plus beau, c'est celui-là quand même. Ah ouais, en niveau bouquin, c'est vrai que ouais. Là, ces photos-là, elles ont bercé notre enfance. Sacré travail de Christophe Boulmé. C'est vrai que là, bon, les photos de Stranger, forcément. Enfin, moi, les meilleures pour moi, c'est, voilà, c'est Tokyo Dome, là. Pff, ça, c'est vraiment trop le de toaster, souvenirs. Ouais, trop c'est... de souvenirs, quoi. Ah, ça, c'est superbe. Superbe, superbe. Bon, ouais, je pense qu'on a, voilà, on a fait un bon petit tour là. Qu'est-ce que t'en penses ? Ben ouais, je t'es pense content. Ouais. Alors, donc, juste pour finir, donc, t'en es où dans tes recherches là ? Tu crois que. Qu'est-ce que tu vas trouver en fait, je me dis, plus on cherche, plus on trouve. Donc, ne serait-ce qu'en termes de 45 tours, c'est, on en découvre tout le temps des nouveaux trucs, notamment même des choses qu'on ne connaissait pas. Donc, pour le coup, je suis pas en recherche perpétuelle, ouais, mais c'est presque. Donc, j'ai toujours mes petits listings de ce que je recherche. Mais qu'est-ce qu'il y a comme truc qui va arriver là bientôt là, on... J'ai encore du thaïlandais qui va arriver. Tise-nous un peu là. Tise-nous. Du thaïlandais, de la cassette aussi, pas mal de cassettes. Ouais. Du coup, bah, je suis en train de me refaire toutes mes cassettes Jackson 5. Bon bah merci beaucoup. En tout cas, alors merci, je me remets ici pour finir. Donc merci beaucoup. Attends, on va se mettre là avec le super arrière-plan. Merci beaucoup, mon pote, de m'avoir enfin invité. Voilà. Hein, t'es vraiment... C'est pas un mec sympa. Hein. Ouais, il m'appelle, on se voit, mais il m'invite jamais à la maison. Je sais pas. Bon, maintenant c'est fait. Il avait peur que je lui pique des trucs. Ouais. Ouais. Mais... Donc, bah, en tout cas, j'espère. Bah, toi, ça t'a plu en tout cas ce petit retour. Ouais. J'espère que ça va plaire aussi aux gens. Bah voilà, que ce retour vous aura plu. Comme d'habitude, et ben n'oubliez pas de vous abonner à ma page et à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me suivre où ? Bah, sur Instagram, sur Twitter, Facebook, sur tous les... ça. Toi aussi d'ailleurs, on peut te suivre aussi. Ouais, c'est quoi déjà ton Instagram pour MJ Marco Lector sur Insta et sur Facebook et YouTube. Bon, je ne suis pas encore adepte. Voilà. Mais surtout Insta tu publies pas mal. Ouais. Donc allez voir aussi sur Insta. Et puis bah, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. À bientôt.